Mets à tous, bienvenue pour un nouveau live et nouvelle vidéo avec Captain Shadow. On est parti donc pour avancer l'aventure Assassin's Creed Odyssey. On va se faire Assassin's Creed Odyssey plus les extensions qui arrivent, bien évidemment. Allez, parlons à petite Mérine, à ta maman. On avait dit pas les mamans. Tiens, je suis parlé. Ah bah c'est elle que je pense. J'ai vu trop de gens mourir. Cassandra, regarde. Je vous ai interrompu. Je venais de dire à ta mère que les meilleurs. J'ai répondu à Aspasia que je devais apparaître. Je veux que je m'occupe des appâts seulement. Sans preuve, la population ne croira pas à l'implication. Entendu. Bien. Salut. Écoutez, fais attention. Je sais. Je vais veiller à sa santé. Bien sûr. Bon, j'y vais. C'est un peu ça en fait. J'ai pas confiance du tout en elle. Je sais pas pourquoi tu me les idées le début. Je crois que je l'ai même dit dans la vidéo que j'avais pas confiance en Aspasia. Où est-ce qu'on doit aller maintenant? Les tueurs se cachent à Naxos. Okay. Donc c'est là où on est, c'est sur la bonne île, on est bon. Repère, c'est probablement dans la grotte du Mont Zas. Cimetière du Mont Zas, j'y suis. L'entrée d'une grotte, ils sont là-dedans. Oh, même l'animation de surpuissance a changé vu que je suis monté en level. Comment ça va bien? Comment ça va bien? Et moi ça va, tu Iti? Iti, ça va? Iti, téléphone de maison? Peut-être, oui, je sais pas. Moi j'ai pas de cellulaire donc. C'est trop beau quand même, là, la map. Pas mal l'épée. Yep. C'est encore c'est pas la mais celle que je préfère. Si j'arrive à augmenter la. C'est pas activé. Ah si. Mais je crois que c'est. Attends, je crois qu'il a mis des trop. A H. Si l'autre a pas, il s'est pas activé peut-être. Ah maintenant c'est programmé. Oh putain d'accord. Ah bah zut. Bah, c'est bizarre parce que tout à l'heure il avait bipé quand même. Bon. Le Wizbot est en maintenance poteau donc. Je ne peux point t'activer tes sons. Thank you.
Trouver et éliminer les tueurs. Pas de soucis. Tu rigoles tout seul. Bah ça se peut. Bah, vu que ça marche plus, les AA. Regarde, l'épée elle est comme ça, mieux. Perso, je préfère l'épée de Pandore parce qu'elle brille déjà naturellement de base. Alors en plus avec les flammes, ça peut être sympa. Concentration. Ah. Il t'explique comment écrire les phases un peu particulières. Enfin, tu sais, pencher comme ça. Ouais. La grotte du mont Zas. Ah, hé les copines. Bon, ben ils m'ont pas vu, ok. Ça, c'est de la violence, mon dieu. Il fait une muse. Ça marche pas avec toi. Coucou, coucou. Si, c'est penché. Ah. Et moi, c'est juste penché en fait. Mais pour c'est vert. C'est pas beau le vert. Bah après, tu sais, tu sors et tu reviens. T'es un stream et tu reviens de l'autre stream, tu verras d'une couleur. Hein. Elle est contente. Oui. Tu as fait sa journée, c'est bon. Il faut pas grand chose pour me rendre heureuse. Ah, mais j'ai fait. Par en haut. Aïe.
est arrivé. T'as froid? Un peu. Tu veux que j'aille faire ma fenêtre? Non, t'écoute. Tiens, Ballard! Comment tu vas? Les hommes du flux ont été payés en drague de Barossa. Eh bien, vous ne pouvez rêver de meilleures choses. La situation est claire. Apporte ça à la guilde des marchands. Dis-leur que c'est la preuve promise et qu'ils peuvent garder toutes les pièces. D'accord. Il y avait ça aussi. J'imagine qu'il s'agit de leurs enfants. Je connais. C'est un ancien dialecte. Les adeptes du culte doivent l'utiliser pour communiquer. Tu arrives à le lire ? Cet argent ne vient pas de Silanos. C'est impossible. Je peux te le traduire, mais ces ordres viennent d'un roi spartiate. L'aristocratie spartiate s'est toujours opposée au culte. Le culte ressemble à l'eau. Il se glisse dans la moindre faille. Sparte s'est toujours opposée à la corruption. Elle a changé depuis notre époque. La corruption se... Je rêve. Et toi aussi. Oh, vraiment ? J'ai des devoirs. Et ensuite. J'arrive pas à faire confiance à l'autre quand même. Tu passes toujours là-dessus. Ouais. Je suis voilà quoi. Nous détruirons vos statues. Nous brûlerons vos temples s'il le faut. Pour éliminer les immondes rongeurs que vous êtes. Maudit soit Silanos et cette saleté de culte. Dis-leur que j'arrive. À Blocus, j'ai refusé de verser un tribut à Athènes. Et par austère profite de la situation, on ne peut plus espérer frapper. Je peux faire venir mon navire. Quoi? Seul face à tout. Tu verras. Sois prudent. T'inquiète pas, je gère, mamie. Je vais faire un petit tour au marchand avant. Vendre. J'ai pas l'impression qu'il y a mieux, mais en tout cas, bon, on a fait déjà un bon niveau. C'est tout ? Alors, au revoir. Navire.
Mon bateau commence à ressembler à quelque chose au moins. Il est full légendaire et presque max. Quête, la quiquette, la quête ou la quiquette, la quête ou la quiquette. Le blocus de Paros, le voilà. C'est quoi des quand même. Y'a quoi le 10 Valorbe? Le 10 mai, y'a quoi le 10 mai? Je sais pas, c'est pas une sortie de film. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir le 10 mai? Y'a pas un jeu qui sort? Je sais pas. Ah, c'est un 3. Mais il y en a un troisième. Non, c'est il y en a même plus, c'est la 5. Et le numéro 3 ressort sur Switch. D'accord. Qui peut être marrant. Et maintenant j'ai le bateau Pégase. Un bateau. En plus, c'est bien parce que mon personnage en fait est adapté avec son armure par rapport au bateau. C'est totalement doré quoi. D'accord, il y a un mec de chez moi qui a déjà sauté sur le bateau. Regarde, ils sont déjà en train de les attaquer.
Ah bon? Ah bah j'ai hâte que tu me montres alors. Chien, en plus si le... S'il y a un mode coop, on pourrait limite se faire la campagne à deux, quoi, ça peut être marrant. Faut pas emmerder un bateau de guerre qui est déjà préparé à la bataille. Ni sa guerrière. Surtout pas sa guerrière. Qui peut te foutre un sacré coup de pied au cul. Ah oui d'accord. Ah bah en fait là maintenant les boucliers c'est même plus. D'accord. Allez, là j'enlève plus les boucliers en fait carrément. C'est que je lui explose le bouclier à la gueule. Tu perds le bouclier, il faut un coup d'épaule dans le bouclier, le mec il se fait éjecter. Allez, allez. À l'assaut. Et voilà le dernier bateau. Bien sûr qu'il y a du coop, t'as même des cheat codes pour foutre le bordel. On verra ça après quand même, on verra ça après. Ça, c'est fait. Non. On va amarrer le bateau tranquillement. Le blocus ça a pas duré très très longtemps quoi. Et oui Mérine, tu peux être fière de moi. Mylène officiel vient de publier sur TikTok. Quelqu'un a liké votre message sur Facebook. Nous devons agir avant qu'il n'envoie des renforts. Nous sommes presque prêts. Timo, on charge les navires. Ils seront prêts à tout signer. Cassandra, un mot. Je t'écoute. Il faut agir contre le pic. Notre retour en Laconia promet d'être dangereux. J'ai l'habitude. Et toi aussi, je sais à qui faire confiance. Je croyais pouvoir en dire autant pour Sparte, mais cette nouvelle. Aspasia a découvert qui des deux rois était allié. Mieux vaut supposer que les deux le sont. Nous devons chasser la corruption de Sparte. Quelle pensée ?
Mais je suis prêt, grand-mère. Allez, pêche. Bah moi, pas grand-chose. Pas grand-chose, tu vois. On est pépère à l'appart. Et on avance le scénario. Si t'as reçu tes belles épées. Mais il a vu sur, sur Discord. Vous avez vu mes belles lames. Elles ont détruit la forêt. Oh, j'ai pas vu que ta mère était sur le bateau. Regarde. Là, en rouge. T'as commencé à faire beaucoup de monde sur le bateau quand même. J'ai fait me payer le bateau des Spartiates là. Oh, la lame à l'avant. Si tu sais pas que ça va piquer le cul, c'est que t'es aveugle. Ah, voilà leur bateau. Let's go. Visant plus gros dès le départ. Que leur coule leur trirème. Ah bah c'est bien, en plus c'est un mec qu'il faut que j'affronte pour le culte, comme ça au moins pas besoin de le faire en dehors. J'ai dans c'est la lame enflammée. Wow, oh. J'ai vu la flèche qui est passée pas très très loin de ma tête quand même. Pas très loin du tout. Vas-y, c'est la noce. Bon bah c'est fait. J'avais pensé qu'il aurait tenu plus longtemps. Quand même ces soldats ils tiennent plus longtemps quand même, c'est horrible. Et toi, comment va la petite famille, mon petit Valord? La femme va bien, les enfants vont bien, tout le monde se porte bien, tout le monde guérit. Oh, pam, accroche au mec.
Oh, des bateaux de Sparte qui m'attaquent, qui les attaquent. Bien. Et on monte dessus avec ses derniers bateaux. Putain, attends, il y a un bateau qui passe entre moi et eux, quoi. Ah, je suis passé. Allez, bougez pas, je fais que passer. Ne m'en voulez pas, merci. Un bateau qui se gare au bon endroit, tu sais. Putain. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai? Il y a un mercenaire là. Un mercenaire? Ouais, là. C'était rapide, hein. Dans le ventre, dans le torse, dans le dos, dans le ventre, frapper et glisser. Inventaire. C'est quoi cette lame que j'ai débloquée? Ah, elle est pas mal. En plus, ça rajoute plus 30% de dégâts à l'épée. Ah, la copie de Pandore, elle est jolie celle-là. Incendie. T'es pas gentil. Ah, c'est normal que le... comment ça devient quasiment tout rouge là.
À la main. Ensemble, nous avons fait beaucoup. Mais maintenant, on doit oublier ces rivages et aller détruire les portes. Il est partout, nulle part. Ces adeptes sont innombrables. Pas encore. On va couper les têtes de la bête, l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'elle soit aveugle et sans défense. Spa. Spa? Toujours de l'influence et des alliés, nous allons regagner notre foyer et le libérer de l'emprise. Ce sera un exemple pour tous. Mais ce sera dangereux. Il est temps que nous rentrions. Oui, ensemble. Il ne me reste qu'une ou deux choses. Dès que tu seras prête, nous... Je crois que tu as quelque chose à faire avant. Quoi? Tu dois retrouver ton père. Quel homme est-il? C'est un homme difficile à décrire. Il est beaucoup de choses. Mais le seul moyen de le connaître vraiment est de le rencontrer. Alors tu ne veux pas m'en parler? Il y a des détails que lui seul peut te fournir. J'espère que tu comprends. Tu trouveras ce que tu cherches sur l'île de Terre. J'ai indiqué le trajet à ton navigateur. Nous nous reverrons en l'après. Je peux poser il y a tout de même. Fais bon voyage. Terra. Faut que j'aille à Terra maintenant. Je suis pas déjà allé à Terra? Salut Rix, comment tu vas? C'est chou parce qu'ils vont pas activer ma quête de pour avoir Terra. B, Lemnos.
terrasse est ici. Ah, putain. Bien, et toi, tu fais le New Game Plus? Alors non, là, c'est la version normale pour moi. J'ai repris le jeu à pas longtemps, donc j'ai recommencé à zéro pour le... pour pouvoir reprendre, tu sais, la game à fond et tout. J'ai profité que j'ai trouvé du glitch là qu'il y avait sur internet pour monter mon perso plus vite, pour attraper les niveaux que j'avais déjà. Donc là j'ai recommencé à zéro et j'avance un peu dans le jeu quoi. En attendant d'avoir fini la mission qui débloque l'Atlantide. On a déjà téléchargé l'Atlantide et les autres DLC, donc on va toutes les faire en même temps. Tout simplement. Eh oh! Est-ce que je fais ça quand tu joues? Non! Je vais te plonger. Te mordre du moins. Elle va me manger une main. T'es foutu! J'activerai après. Il reste un quart d'heure. Augmentation de niveau dans les îles. Si vous tentez de... Bon, j'ai pas le temps de lire. Là. Non, d'aborder une... Si vous devez accroître votre niveau avant d'aborder une quête, allez sur une île voisine. Elle offre des trésors d'expérience et des splendides trucs aussi, ok. Mais je suis déjà au niveau max, donc je peux pas... Ça sert à rien. Je posais le dossier trident de Poséidon monté à 99. Pardon le chat. Ils ont oublié qu'il était là, je commence à le pousser. Il a même un coup de pied au cul au chat. Le pauvre, il a rien demandé. Dégage. Pour une fois qu'il est calme. Bon, je vais les péter leur gueule parce que ça va pas finir m'emmerder. Alors, voyons voir un peu ce qu'on va pouvoir découvrir là-dessus.
Là, je vois qu'il y a un truc de lumière, donc il y aura peut-être un jeu de lumière à faire. Un jeu de lumière. Trouver des informations sur votre vrai père. Ok. Les ruines de Pasta. Pasta Box. Je cherchais un truc, mais j'ai rien trouvé. Je pense à la personne, mais ça n'a rien à voir. D'accord, j'ai juste besoin de faire ça. T'es d'où? Tas de mouches. Elle monte tout, mais en fait le dernier segment, elle veut pas le monter quoi. Tac 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 tac. Alors il y a peut-être des trucs qui manquent. Qui a construit ça. Est-ce que c'est ce que... Hop, je vais prendre ça avant.
comprends rien, c'est dans ce miroir là. Allez. T'as trouvé? Ouais. Ferme les yeux. Oui, oui. Oui, oui. Il est comme ça. Oui, oui. Il est en aveugle, même. Oh, mais quand même. Autre truc, il fait chaud ici. Peut-être que t'es dans un volcan. Non. Ça calme. Merci Kim Adamos pour ton sub YouTube. Merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Tu as eu une intervention des enfants petits. J'ai entendu que tu m'avais posé une question. Je demandais si les enfants, ta femme, tout le monde allait bien. Est-ce que ta femme ça soigne et compagnie. Pas de dire, pas quoi. Le charabia habituel. Oh. Non. Portail vers la cité oubliée. Quelle est la cité qu'on oublie et qui y a de l'eau autour? Non, arrête, c'est la culture générale, ça. C'est une cité entourée d'eau, oui, qui a disparu. Oui. J'ai une idée, mais j'ai perdu une connerie. Vas-y. Oui. Hein? Oui. Une cité, un bateau. Mon Dieu. J'ai de m'engueuler en fait. Oh putain, non. Dis-moi pas que ton père c'est Archimède. Ah, c'est ça. Non, le truc c'est l'Atlantide. Ah. Non, Pythagore. C'est le théorème. Ouais. De nombreux secrets de ce monde se
C'est le Valhalla. Non, non, l'Atlantide. Je m'appelle Pythagore. Ah bah voilà. Je suis ton père. Pythagore ? Il est mort depuis plusieurs décennies. Oui, près d'un siècle, ma mémoire. Et pourtant, je me tiens là, devant toi. Et Icaros est... Mon plus vieux et plus fidèle ami. Je l'ai chargé de veiller sur toi. Et au fond, j'ai fait un long chemin pour... Tu n'as pas été envoyé ici pour des retrouvailles. Pourquoi suis-je ici? Quel est mon rôle dans tout ça? Ce qu'on voit à vous en de mauvaises heures, c'est ce qu'on ne peut pas laisser n'importe qui dégager ce lieu. Nous devons trouver le moyen de le faire définitivement. Je n'y comprends rien. Je suis une guerrière, pas une autre. Nous avons tous une fonction, Cassandra. La tienne. Et pourquoi t'aiderais-je? Si tu as dû endurer cette vie, c'était pour t'endurcir. Mais je n'ai jamais rien demandé. La destinée est un fardeau. Qu'est-ce que tu attends de moi? Les réponses que je cherche se trouvent derrière ces mécanismes. Ils sont scellés. Et les artefacts... Alors, tu dois trouver les artefacts et les rapports. J'ai rassemblé bon nombre d'informations essentielles. Mais ils sont incroyablement puissants. Ils sont capables. Je les rapporterai. Et j'ai des réponses. Pour l'instant, cependant, prends ceci. C'est une partie d'une clé permettant d'accéder à un artefact caché en Béotie. Un de mes alliés tente de trouver le frontier. Droit de naissance. Découvrez l'Atlantide et parlez à Pythagore. Pythagore, théorème, angle droit, triangle, isocèle. Triangle. Tout ça pour ça. Terra, on a trouvé l'Atlantide. L'Atlantide? Laisse-moi vérifier tes constantes. Tu délires? On cherche un artefact issu capable d'altérer la réalité. C'est ce qui te tracasse? Pythagore est né vers moins 570. Ça veut dire qu'il aurait dans les 150 ans. Mais qu'est-ce qui aurait pu le maintenir en vie? Le bâton d'Hermès Trismégiste. Mais Hassan, tu avais raison. Je vais t'aider à emballer le matériel. Merci. Et ce sera la fin de cet épisode et de cette partie du live qu'on reprendra avec une heure, évidemment. Après, on va manger, parce que l'on a faim. On a faim. Hey, tout se soigne bien et moi j'ai un nouveau délire que je t'ai envoyé en photo. Alors, quel est ton délire? Je crois que je sais ce que c'est. Mais il est parti une photo. Sur Discord. Ton truc. Quel truc? Ah. Elle est contente en plus. T'entends comme elle rigole? C'est pas moi. Je suis pas du bon côté. Ah, pour son du bon côté. T'as pas que le bon endroit surtout. J'ai rejoint les coordonnées. Oh, on est avec la vraie personne. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit point de sauvegarde. Ah bon, on peut pas faire point de sauvegarde. Donc bah, on va le faire maintenant, y'a pas le choix. Hein. Mon équipement est prêt. Je me prépare à plonger. Leila, tu ne sais pas ce qu'il y a dessus. Des requins, peut-être. C'est toujours mieux que des templiers. Je crois que c'est un bon ouvre l'œil. Bonne chance, Leila. Merci. Bon, je descends là. Il doit bien y avoir une entrée. Je vais la trouver. Là! Ça doit être l'entrée. Vous me recevez toujours? C'est un peu le monde du silence ici. T'entends, Leila. Merci. C'est juste que c'est sépulcral. Tu n'es pas seule, Leila. On suit.
Promets-moi que si je meurs ici, tu baptiseras cet endroit la grotte des morts. Compte sur moi. Je te jure. Ah, on sort de l'eau. Tu vois qu'en même temps, là, ça modernise un petit peu comme ça. Quel plongeon. Le loft à Londres va me manquer. Je mets vraiment la gueule. Te manquer? Tu ne pourras plus y retourner. Ça n'a pas lu le mémo de Kiyoshi? Abstergo l'a passé au peigne fin. Il n'est plus fiable. Je faisais des recherches sur Cora. Kiyoshi, ça va comme tu veux? Oui, ça va. Après avoir sorti les derniers équipements, j'ai pris le temps d'observer leur opération à distance. Ils ont pris le cadeau que je leur avais laissé? Besoin. C'est juste une coque avec l'un de mes émetteurs RFID. Il suffit qu'elle approche d'un poste de travail, genre au bureau du chef de la sécurité, et bam! Impressionnant! Routine de hackers. Waouh! C'est carrément plus élaboré que ce que je pensais. Comment ils ont fait pour construire ça? Je donnerais cher pour avoir une boîte à outils souple. C'est différent de l'Égypte. Il y a des éléments esthétiques communs, mais... Là, je suis au même endroit, mais dans la vraie vie. Mmh. Faut que je quitte cette tenue de plongée avant d'explorer. Tout est vrai. J'ai réussi. Leila, elle fait une deux. Altaïr 2. Oui. Parlez Dieu, Leila. C'est l'Atlantide. Comment tu te sens? Pas de nausée à cause du changement de pression? Non, ça va. C'est ça le son. Incroyable. Réfléchis. Il doit y avoir un moyen. Quelque chose doit alimenter cette. J'ai dû aller, je réveille un ordinateur. Comment Cassandra a fait pour aller plus loin? Il y a tout ça pour ça. Arrête. T'es en train de filmer, s'il te plaît. Et alors? Ah tiens, voilà. Est-ce que je peux te sauvegarder maintenant? Ce serait bien. Oui, super. Et bah, ce qu'on va faire, les gars, c'est que nous, on va faire une petite pause là et on reprend d'ici une petite heure et demie le temps de manger un petit morceau. Et on reprend tout ça. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine suite.